Le sperme d'Emmanuel a toujours été de bonne qualité. Pourtant, pendant plusieurs années, il en a douté, car avec sa femme, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il est donc venu à plusieurs reprises dans cet hôpital pour faire analyser son sperme. Pour cela, il a d'abord fallu le recueillir, une démarche pas très évidente. Le protocole est inscrit ici dans la pièce, donc on n'a plus qu'à lire et à suivre le protocole. Par contre, c'est vrai qu'après, il faut faire marcher un petit peu l'imagination, parce que vous voyez, la salle est étroite, et puis bon, on ne peut pas dire que ce soit très attrayant. Une fois le moment pénible passé, le sperme est immédiatement récupéré. Car sans tarder, il faut procéder aux premières analyses. Très vite, une goutte est prélevée pour observer la mobilité des spermatozoïdes. J'essaye de les classer en fait en quatre catégories A, B, C, D. Ce qui correspond à A fléchant, B un peu moins fléchant, C mobile sur place et D complètement immobile. Car seules les deux premières catégories, fléchant et mobile progressif, ont la capacité de féconder l'ovule. Il s'agit de déterminer par cet examen s'il y a une majorité de spermatozoïdes fécondants, c'est-à-dire les plus rapides ici à l'écran. Dans la foulée, un deuxième paramètre est analysé, leur vitalité. J'ai mélangé en fait une goutte de sperme, une goutte d'éosine et une goutte de nigrosine pour pouvoir voir le nombre de spermatozoïdes vivants qu'il y a. En fait, on fait le compte sur 100 spermatozoïdes. Au microscope, les spermatozoïdes morts apparaissent légèrement rosés. Les vivants, eux, sont lumineux. Le spermogramme terminé, le sperme est conservé 8 jours dans des lamelles. On peut alors procéder au deuxième examen, le spermocytogramme, l'analyse de la morphologie des spermatozoïdes. Donc là, celui-là, c'est ce qu'on appelle un spermatozoïde typique. La tête est normale et le flagelle, la queue du spermatozoïde est normale. Là, par contre, c'est un spermatozoïde qu'on appelle atypique, anormal, parce que la queue du spermatozoïde est courte et la base de la tête est un peu pointue. Cet appareil nous permet de noter toutes les anomalies. Là, on a les anomalies du flagelle. Là, on a les anomalies de la tête. Et là, on a les anomalies de la pièce intermédiaire. C'est ce qui est entre la tête et le flagelle. Et là, c'est quand on voit des flagelles isolés, en lyse, diverses cellules. Et là, c'est les spermatozoïdes typiques. Il faut attendre une quinzaine de jours pour obtenir les résultats des analyses. Mais avant toute conclusion définitive, il est nécessaire de renouveler l'examen au moins une fois, car la qualité du sperme peut varier d'un jour à l'autre.